J'avais 20 ans. J'étais l'héritière de Villa Vanille, l'une des plus riches plantations de Madagascar. Et ma vie s'est allée devant moi pleine de promesses de bonheur. Je voulais mordre dedans, sans retenue. Je voulais séduire et être admirée. J'aurais voulu 1000 galants sans être obligée de choisir. J'étais capricieuse. J'étais une jeune fille à qui la vie et son père n'avaient rien refusé. Celui qui m'aurait murmuré à l'oreille « Respire de toutes tes forces, cet air embaumé. Ce sont les derniers jours. » Celui-là, je lui aurais ri au nez. Mais peu d'entre nous, les colons, furent capables d'anticiper les événements qui allaient nous emporter tous et changer à jamais ce pays. À cette Ariane de 20 ans, je voudrais lui dire « Sois bénie, car tu vas être balayée par la tourmente. » Oui. Jean Bécalier, le fils de la maîtresse d'école. Ah oui, le petit Jean, celui qui avait des trous aux genoux toujours. Voilà, c'est ça, celui qui faisait toujours rire parce qu'il avait les blouses un peu usées et les pantalons troués. Ça n'a pas beaucoup changé. Enfin, je parle du costume. Toi, tu as changé. Toi, tu es toujours aussi arrogante. Et ton père, le seigneur du royaume, il est semblable à lui-même? Ça va. Et la France? La France? Sacha Guitry va se marier pour la troisième fois. Tu permets? Et la mode de Paris. Les femmes y sont très belles. Ah. Maman. Oh, mon chéri, mon chéri. Marc. Oh, Marc, tu es heureuse. Alors voilà la jeune fille qui me récitait si joliment son compliment. Avec quelques années de plus. Eh bien, je vais être obligée de donner cette poupée à une autre petite fille. Oui, non. Non, j'adore les poupées. Tu es magnifique. Tourne, tourne. Je me souviendrai toujours des vacances passées avec toi à Paris. Moi aussi, petite fille, moi aussi. Mais est-ce que tu sais que c'est un peu à cause de toi et de ton père que je me suis fait muter au bout du monde? Madagascar n'est pas le bout du monde. Tu vas voir, c'est l'île rouge, l'île de toutes les merveilles. Tu vas l'aimer, tu ne pourras plus en partir. Viens, viens. Mon capitaine, le colonel Logier m'envoie pour vous conduire à la garnison. C'est moi qui suis arrivée la première, c'est moi qui emmène le capitaine. Rompez. Rompez, soldat. Mademoiselle Ariane va me conduire à la garnison. Mais occupez-vous de mes bagages. Oui, mon capitaine. Viens. Ariane, je sais que tu ne pensais pas à mal, mais tu as mis ce garçon dans l'embarras. C'est un soldat. Et un soldat, ça a des ordres. Et des sanctions quand ça n'obéit pas aux ordres. Je me moque souvent des gens. Tu trouves que c'est un grave défaut, oui? Il n'y a plus triste. Ne fais pas cette tête, surtout le jour de mon arrivée. Hein? Non, laisse-moi conduire, laisse-moi conduire. Papa? Oui, il est à la plantation, je voulais lui faire la surprise. Roger! Oui, monsieur. On n'a pas rentré un dixième de la récolte. Allez, les puits sont en avance. Oui, mais j'ai recruté une trentaine d'indigènes en plus, et avec ça, on dépasse le quota. Mais je m'en fous. Quand les puits sont là, ils pourront tous aller faire pousser leurs patates douces. Oui, monsieur. Dépêche-toi. Allez, au travail, feignant. Anka. Oui, ma fille. Est-elle à l'aéroport? C'est une surprise. À l'aéroport. Tu lui diras que je suis à Fenerive et qu'elle s'occupe de la réception. Mademoiselle, capitaine. Colonel, je vous amène le capitaine de Berthier. Mon colonel. Ravi de vous accueillir à Madagascar, mon cher de Berthier. Je croyais avoir donné l'ordre d'aller vous chercher. Oh, c'est de ma faute, j'ai été odieux, j'ai renvoyé votre petit soldat. Bien, vous avez déjà adopté les coutumes de notre île, capitaine. Il y a des moments où je me demande qui commande ici. Vous n'oubliez pas notre cocktail ce soir. Oh, réception à Villa Vanille ne s'oublie pas. Mademoiselle. Bon, je vous présente le capitaine Merlot et le lieutenant Massier qui sera votre ordonnance. Capitaine Merlot, présentez les officiers du bataillon au capitaine de Berthier. Section, garde vous. Lieutenant Perrault. Lieutenant Gustin.
Lieutenant Martin. Merci, capitaine. Je vais vous présenter au bataillon maintenant. Bataillon, je vous présente le capitaine de Berthier. À vous, capitaine Merlot. Aux ordres du chef de section. Marc, vous permettez, je préfère appeler mes officiers par leur prénom. Ainsi, avec vos états de service et vos années passées aux colonies, pourquoi n'avoir pas demandé la métropole ? Mon colonel, j'ai tout perdu. J'avais épousé une amie d'enfance, elle est morte. Oh, désolé, désolé. Ainsi, vous connaissez bien les Ariances. C'est un peu ma seconde famille, mon colonel. Ariane est ma fille. Les Ariances sont des piliers de notre communauté, des colons très influents. Pour parler franc, nous sommes ici pour que les colons n'aient pas de problème. Il y a des problèmes ? Ah non, 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 aucun, aucun. Le malgache est doux, une race soumise et sans arrière-pensée. On leur a appris à lire. C'est l'erreur. Les livres ne sont pas faits pour les cultures indigènes. Il y a des troubles, mon colonel ? Bah, une poignée d'agités, rien d'important. En fait, nous avons plus de problèmes avec les petits blancs qu'avec les indigènes. Madagascar est un des derniers paradis sur Terre. On y vit très agréablement. Bien mieux qu'en France, vous le verrez. Votre valise, monsieur. Laissez, laissez. C'était long, mon fils. Ah, 7 ans, c'était long. Ah. Pour moi aussi, papa. Ah. Oui, Marek ? Eh bien, il doit être là. Marek ! Hé ! Oh ! Marek ! Marek ? Marek ! Marek ! Marek ! Marek ! Je sais où se trouve, mon héros. Marek ! Marek ? Hé ! Hé, bonjour ! Ça va ? Bienvenue à la maison. Bienvenue au grand médecin blanc. Et ça va, hein ? Comment tu as trouvé Fenerive ? J'en ai rien à faire de Fenerive. Toujours aussi mort dans le coin. Y a pas les folies bergères. J'ai jamais mis les pieds aux folies bergères, moi. C'est vrai ? Ouais. Sérieux ? Ah, j'ai quand même quelques petites histoires à te raconter. Tu es heureux, papa ? Il est là. Toi, t'es le fils Bécalier qui a fait ses études en France, contrairement au fils Bécalier qui a rien fait dans sa vie. Ouais. Oh, Marek, écoute, ton frère n'a pas eu le temps de défaire sa valise. Quoi ? Quoi ? Faut cesser de vivre parce qu'il est revenu ? Alléluia, le fils prodigue est revenu ! Marek ! Mais où ai-je mis ce veau gras ? Allez, Marek, qu'on égorge Marek, le veau gras ! Marek. Salut la compagnie, je reviendrai vous voir quand vous aurez fini de sangloter de joie. Attends. Dis rien, petit frère, hein. Pas un mot. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence ? Vous m'avez pourtant bien écrit qu'il avait trouvé du travail, non ? Qu'il avait des amis ? Eh ben non. Il s'est fait mettre à la porte de la fabrique et il n'a pas retrouvé de travail depuis. Ne travaille pas, c'est l'aîné, c'est un feignant. Oh, arrête. C'est quand même pas parce que j'ai obtenu mon diplôme, il n'aimait pas étudier, il n'aimait pas l'école. Non. C'est à cause de l'argent. C'est vrai qu'on aurait dû mettre de côté la même somme pour toi comme pour lui. Et on n'a pas pu. Tu es médecin, c'est ce qui compte. Marek n'avait pas besoin de cet argent. Jean ! Jean ! Je reviens. Ça s'est pas trop mal passé, non ? Ah, t'es pas difficile, toi, hein ? Être ouverte ou... Fermée, très bien. Le sel peut être blanc ou... Gris. Ou gris. Un lit peut être mou ou... Dur, oui. Le pain peut être frais ou... Ah, ah, si.
Rassi, c'est bien Monique. Un tonneau peut être vide ou... Plein. Vous prenez votre livre de lecture à page 52, je reviens tout de suite. Vous êtes sage, hein? Oui, maîtresse! Oui, maîtresse! Viens voir, j'ai dessiné un beau dessin. Ah, dis donc, quel honneur! Le maître de Villavani dans la cour d'école d'une pauvre institutrice. D'une belle institutrice. Ah! Le loup se change en agneau. Qu'est-ce que ça cache, ça? Ça ne cache rien. Ah oui. Alors? Je suis pris à la gorge. Tu as refusé déjà deux fois de me vendre Rajava. Ah. J'ai vraiment besoin de cette terre. Ah, je suis là pour subvenir à tes besoins? Oh, te fais pas plus dur que tu ne l'es. Je te connais, tu n'as jamais laissé quelqu'un te supplier en vain. Même un indigène. T'es en train de me supplier, là, Grégoire? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Comme je t'ai supplié moi-même il y a 30 ans de m'épouser. Oui. Tu m'as craché à la figure. Tu ne m'as pas supplié. Tu vois, on n'a pas la même mémoire. Tu serais capable, là, de te mettre à genoux pour obtenir un Java, une terre qui vaut rien du tout. Elle vaut parce qu'elle domine mes champs. Oh, oh. Toi et ton pouilleux de mari, vous n'avez pas grand-chose, hein? Un ivrogne qui t'a rien apporté. Il m'a apporté deux fils. Bon. Parlons-en de tes fils. Tu n'as pas envie de les voir se marier dans une bonne famille blanche? Jean vient juste de rentrer de France. Il est médecin, je te signale. Jean, oui, c'est ton cadet. Il est comme toi. Un bon élève. Mais l'aîné, Marek. Marek. Un bon à rien. Allez, fixe ton prix. Ah, mon prix. Beaucoup trop cher. Il n'y aura pas de pluie. Je rentrerai toute ma récolte et tu t'en mordras les doigts, Madame Bécalier. Les enfants, assez joué, on rentre. Allez, on rentre, on rentre. Assez joué, oui, c'est ça. Eh bien, tu te trompes. On verra. Oui. Arrête. Regarde. Mmh. Allez, Marek! Attends-moi, non? Oh, Marek! Oui! Eh, hey, oh, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais, Marek. Oh! Alors, il est arrivé le petit Français? Ouais. Mais dis donc, c'est mal, il aurait pas ramené une petite bonne femme. Marek! Tiens, quand on parle du loup! Alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu me suis partout maintenant? C'est nouveau, ça! Allez, reste pas planté là, viens, viens! Au Paul, de la bière pour tout le monde, on va fêter ça! Alors, t'es médecin maintenant? Oui. Ouais, nous, on est des pauvres blancs mal éduqués, tu sais, les ratés de la colonie, on n'est pas le blé, on est le chien d'or, nous. Je boirais bien un verre, moi, maintenant. Tu sais, c'est pas du tout à l'hôpital de Tana que j'ai obtenu cette place. Mais au dispensaire, je suis pas un grand médecin, et quant à mon salaire. Ah, tu vas guérir des indigènes, c'est ça? Ouais. Eh, mon frère va guérir des indigènes, c'est fou ça, hein? 7 ans de médecine à Paris pour guérir des indigènes, alors là... Et Marek, en plus, les postes à l'hôpital de Tana sont réservés aux fils des colons. C'est vrai ce qu'il dit, pourquoi tu t'es pas installé à Paris, rue de la Paix, dans un cabinet privé? Moi, s'il te plaît, Marek, je suis là pour soigner les gens d'ici. Ah ouais? Les malgaches. Les malgaches? Les malgaches? Oui, les vieillards, les enfants, tous ceux qui ont besoin d'être aidés, quoi. Il y en a, crois-moi. Ah oui, si je comprends bien, mon frère se prend pour le docteur Schweitzer, quoi. Je pense que ce serait bien qu'on puisse se parler, seul à seul. Mais on aura tout le temps. Oh, Paul, amène les bières, là. On a soif. Ouais, Paul, allez. Tiens, voilà. Allez. Et à la santé du petit docteur, hein. À son retour à Madagascar. Puisqu'il oui. guérir beaucoup d'indigènes, oui, alors, beaucoup oui, de femmes oui. et des tas de bâtards. Ce n'était pas Grégoire Arian ce matin dans la cour? Si. Qu'est-ce qu'il voulait? Rajava? Devant cette terre. Écoute, Francis, on a déjà parlé de ça 100 fois. C'est le seul héritage que j'ai eu de mon père, et j'ai l'intention de le laisser à Marek après ma mort. Non, ce n'est pas par respect pour ton père. Ce n'est pas pour Marek. C'est pour dire non à Grégoire Arians. Pour lui cracher ta haine au visage encore et encore. Et si je mourais? Et qu'il t'offre le mariage? Tu lui donnerais Rajava? Je sais que tu bois beaucoup trop, Francis, en ce moment.
Vous êtes au régime sec. Tu verras. Il a les yeux d'un bleu indéfinissable. Bleu comme ta robe? Non, non, beaucoup plus clair, très clair. Tu le verras ce soir. Oh, je pourrais pas le voir, je serais beaucoup trop loin pour voir ses yeux. Quoique j'ai une idée, je pourrais servir les apéritifs. Mais ça va pas, t'es pas une servante. Non, je sais ce que tu vas faire, je sais. Attends, je vais m'occuper de toi, personne ne pourra te résister. Et puis t'es ma meilleure amie, non que je sache. Au jeune sous-officier qui m'a porté sous les obus, alors que j'agonisais le ventre ouvert, à Marc de Berthier, mon ami, mon sauveur, je lui souhaite la bienvenue à Villavanille. Il est chez lui, chez moi. Pardon? Pardon? On aura tout vu. Où va-t-on? Je suis tout à fait d'accord. Pardon. Je vous présente Anka. Mais c'est une malgache. Une noire. Mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez Marc? Je sais pas, il y a une malgache. Ma meilleure amie. Elle s'appelle Anka. Anka, c'est Marc. Oh, pourquoi elle joue? Elle travaille à la ville d'Avenir. Comment Grégoire peut tolérer ce scandale? Anka, Ariane m'a beaucoup parlé de vous. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Bah alors, Grégoire? Non, je suis vraiment surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien vu. C'est encore une surprise de ma fille, venez. Mais enfin, Grégoire, il faut parler. Venez, prenez un verre, prenez. Sa mère était encore en vie, elle ne permettrait jamais. C'est rien, c'est rien du tout. Mais c'est tristement scandale. Tout coloré. C'est révoltant. Eh bien, c'est parfait. Tu peux disposer, Anka. Bon, je vous laisse. Il n'a jamais compris cette amitié. Tu l'es? C'est moi. Qu'est-ce que t'as sur le dos? Ça? Regarde. Ariane m'a prêté sa robe. J'ai traversé tous les salons. Et j'ai même parlé à Marc. C'est ça. Et tu crois qu'il y a de quoi être fier? Elle te passe une vieille robe, on te parle et tu te prends pour une blanche. Ah non, écoute, tu vas pas recommencer. Ariane, c'est ma meilleure amie. Alors tu dis rien sur elle et sur les blancs, d'accord? Voilà ma sœur qui aime les blancs. Tout comme une chèvre. Tu lèches la main qui tient la corde. Tu peux me dire alors pourquoi t'es venue à Villavanille? Tu le veux ce travail? Tu le veux ce travail, oui ou non? Les blancs, on leur doit rien! Rien du tout! Ils ont pris nos terres. Chaque année, ils nous font faire 3 mois de travail forcé pour un salaire de misère. Et le reste de l'année, ils nous donnent juste de quoi pas crever de faim. Mais j'ai fait des études, moi. Payée par Grégoire Ariance. Je suis comptable. Tu léger un bon travail. Oui, je sais, Anka. Tu es une de leurs esclaves reconnaissantes. Une de leurs bâtardes. Pardon. Pardonne-moi. C'est pas ma faute si mon père était blanc. Non. C'est de leur faute à eux. Ils le paieront. Qu'est-ce qui te prend? Vas-y, dis-le, on a rien fait. Dis-le que tu m'as bousculé. Et moi, je te dis que si, alors si, tu l'as bousculé. Non. Mais non, Marek, s'il te plaît, Marek. Tu vas voir. Bouge, Marek. Viens là, toi. Vite, vite, vite.
t'apprendre, sale négro, là, viens là. Fais ta voix. Marek. Marek. Marek, mais attrapez-le, bon Dieu. Frangin, il est blessé. Mais qu'est-ce que t'as fait encore? Attrapez-le. Regarde-moi ça. On dit sur la serre. Allez, vite, vite. Ouais. Allez, on y va. Laissez-moi, chauffez-les, ces salopards. T'inquiète pas, je vais te soigner. Oui, ça va, ça va. Pourquoi tu l'as pas amené à l'hôpital? Il est très bien ici. Maman. Oui? Il voulait casser du malgache. Pourquoi Marek en arrivait là? Dis-moi. Déçu d'être un blanc pauvre, voilà. Mais il avait pourtant appris la menuiserie, non? Tu le vois en train de faire des meubles. C'est pas dans son caractère, il est pas patient. Puis il rêve, c'est dans sa tête, ça. Il se voit à la tête d'une grande plantation de banni avec des centaines d'ouvriers. Il rentrerait le soir dans sa grande villa blanche avec un indigène et à chaque chose. C'est Marek qui t'a dit ça? Mais non, il me l'a pas dit, là. Je le sais, c'est tout. Jean, emmène-moi à Villa Vanille, il faut que je parle à Grégoire Arians. Qui ne me marche pas sur les pieds. Et que je t'adore. Tu as vu leur tête quand Anka est descendue en robe de bal? Oh, j'adore. Tu me trouves gâtée? Mal élevée? Tu me trouves mal élevée? Non. Alors? Tu as honoré ton amitié pour Anka devant tout le monde. Je te trouve spontanée et généreuse. Ah, tu exagères. Monsieur Arians, s'il vous plaît. Il est de l'autre côté, madame. Je vous accompagne. Je vous en prie, nous. Vous permettez? Bonsoir. Excusez-moi. Ah, c'est demain, je visiterai, je vous assure, c'est magnifique. Je vous crois volontiers. Je peux te parler en privé? Ah, messieurs, bonsoir, madame. Excusez. Faites. Grégoire, là, mais c'est madame Bécalier, non? Vous ne savez pas qu'ils étaient si intimes tous les deux. Merci. À la tienne. À ta santé. Bon, tu veux Rajava? Je vends. Je vends cher, je te préviens. Ah. 12 000 francs or. Pourquoi ce revirement? Ça a de l'importance? Oh, j'aime bien connaître les tenants et les aboutissants. Moi aussi, j'ai réfléchi. Je veux bien me mettre à genoux, finalement. Grégoire. Grégoire, je t'en prie, lâche-moi. Grégoire. Grégoire, t'es un porc. T'es un porc et t'as toujours été un porc et tu mourras comme un porc. Bon, maintenant, est-ce que tu achètes Rajava? Non, je ne suis plus acheteur. Monsieur Jean Bécalier, là. Ah bon? Ah, bonsoir, capitaine. Je vous attends demain à la garnison. Bonsoir, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Jean! Alors, tu es venu, toi aussi? Non, non, je suis simplement venu accompagner ma mère, assure-toi. Prends un rafraîchissement en attendant. Non, je suis très bien ici. Viens, tu vas prendre une coupe. Je ne fais pas partie de tes invités pommadés, je ne vois pas pourquoi tu m'offrirais un verre. Oh, toujours aussi sauvage. Champagne? Tu te crois maître du jeu avec ton bout de terre? Tu crois que tu peux me parler de haut? Hein? Avec des cris dans la voix. Que tu peux venir chez moi m'imposer tes conditions? Tu aurais pu me garder, mon petit, si tu avais voulu, même quand j'ai rencontré Emmeline. Mais tu m'as posé un ultimatum. Si tu m'avais dit, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi, tu vois. Comme tu te connais mal,
La seule chose qui t'intéressait, c'est ça, c'est Villa Vanille. Et j'aurais pu me traîner sur le ventre jusqu'à ta table, ça n'aurait rien changé du tout. Oui, peut-être, mais quand Emmeline est morte, tu as refusé de revenir. Avec mes deux fils? Mais je les aurais pris, tes fils. Oh, avec l'argent d'Emmeline, c'est d'un goût. Mon mari aussi, tu l'aurais repris? Ah, parce que lui n'a pas eu honte d'épouser une fille sans dot. Bah évidemment, il était aussi pauvre que toi. Mais qui tu étais, Grégoire? Mais qui tu étais? Mais un vin du pied comme les autres, doublé d'un arriviste sans scrupule, c'est tout. Oui, et regarde ce que je suis. Quoi? L'un des plus riches colons de cette île magnifique. Je suis le roi ici. Oui, j'ai tout. Les autres m'envient. Pour la dernière fois, est-ce que tu veux Rajava? Non. Ne m'en parle plus jamais! Tu es blessé. Oh, c'est pas mon sang. Eh bien, à peine arrivé, t'as pas perdu ton temps. Une bagarre? Un coup de couteau? Ne te regarde pas. Quel individu. Mal élevé, mal habillé. Tu as vraiment tout pour plaire, Jean Bécalier. Merci. Et tu plaisais aux femmes en métropole? Oh, tu sais, il y a des femmes qui arrivent à voir autre chose chez les hommes que la manière dont ils s'habillent. Ah oui. Et elles voyaient quoi? Des yeux qui incitent à l'amour? Une bouche qui appelle le baiser? Elles voyaient, c'est tout. Champagne? Non, là. Jean, merci. Viens. Ariane, je ne voudrais pas abuser de ton hospitalité, alors je te les laisse. Tu l'es! Dis donc, il est beau, ton amoureux. C'est pas mon amoureux, il a besoin de travailler. Tu veux travailler dans la plantation? Faire la récolte? Roger! Mademoiselle Ariane? Voilà, tu l'es. Il veut travailler avec nous. Vous pouvez l'engager? Oui, bien sûr. Il sait pas dire merci, ton ami? Merci, mademoiselle Ariane. Merci beaucoup. Tu parles bien. Il aime beaucoup lire. Alors, t'es sûr que c'est pas ton amoureux? Mais non! Alors, comme ça, tu connais mademoiselle Anka. Allez, viens. Hein? Dis donc, t'es pas bavard, toi. Si tu te tiens bien, si tu travailles bien, t'auras pas de problème avec moi. Sinon, allez, viens. Bonjour, monsieur Grégoire. Bonjour, il faut que tu augmentes la cadence. Je sais. La récolte doit être rentrée d'ici un mois. Mais c'est impossible, pas 22 ou 3 mois. Oh non, 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 un mois. Et puis j'en ai assez de te voir avec la gueule cassée tous les lundis. Tu vas me faire le plaisir de dormir la nuit, tu entends? Et de laisser les indigènes tranquilles. Oh, vous savez, c'est pas très grave. C'est moi qui juge ce qui est grave ou non sur cette plantation. Oui, monsieur. C'est mon dernier avertissement. Bien, monsieur. Allez, accélérez un peu la cadence. J'en ai marre de prendre pour vous. Hein. Attention. Eh, dis donc, faut pas te gêner. Pourquoi t'es payé? Non, mais ça va pas, non? Allez. Ah, c'est bien, ça, tiens. On doit pas se laisser faire, on a des droits. Qu'est-ce que t'as à me regarder, toi? Continue. Et vous aussi, au travail. Hey! Tous unis, on y arrive. Attention, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, y'en a marre de ta sale gueule! Non! Ce que je vais faire de ta sale gueule, non. De métèque! Non, monsieur! Voilà, non. Allez, voilà, allez, vas-y, on va voir. Mais t'as pas en à parler, moi! Pitié! Non! Voilà! Non! Mais il a pas le droit! Bien sûr que si, il a le droit! Le droit du plus fort! Mais ça va nous servir! Il nous faut des martyrs! Laissez faire! Vas-y, toi, tu les... J'en vais tout de suite! C'est pas terminé! Viens, je vais t'aider. Ça va aller? Je rêve ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais en dehors de ton rang? Je ne faisais qu'aider mon camarade à se relever. File! File dans ton rang, dépêche-toi! Vous n'avez pas le droit de le frapper. Selon le code civil, vous n'avez pas le droit de frapper un ouvrier qui... Des droits! Des droits, négro, des droits! Arrête, Roger, voyons, arrête! Si tu le frappes, il ne pourra pas travailler. Ce sale communiste avait un livre rouge dans sa poche. Et qu'est-ce que tu fiches avec le code civil? Nous avons des droits, il faut le respecter. Mais oui, je sais tout ça, je sais tout ça. Allez, viens avec nous, hein? Roger. Du calme, allez, du calme. Tout le monde reprend le travail. Il va être puni.
l'enculé se bat pour la justice. Alors, comme ça, tu as des droits? Mais bien sûr, il y a des droits. Seulement, ils sont pour les Français. Les droits, ils sont pour nous. Toi, tu es un indigène. Tes droits sont régis par l'indigénat, tu vois. Alors tu te mets à travailler, s'il te plaît. Selon l'indigénat, il n'a pas le droit de frapper un ouvrier sans raison. Il a frappé 3 fois, cet homme. Tu as été battu? Non. Si, tu as été battu, non. Ne mens pas. Non. Tu veux porter plainte? Non, monsieur. Tu veux partir de Villavanille? Non, je veux rester à Villavanille. Tu es content ici, tu veux travailler. Oui. Ils sont contents ici, ils veulent travailler. Hein? Vous aussi, vous êtes contents à Villavanille? Oui, monsieur. Oui, oui. Ils sont contents, rester, ils veulent travailler. Alors toi aussi, va travailler. Hein? On nous traite pire que des chiens. On nous traite pire que des chiens! Qu'un jour de prison pour cet imbécile. Et réquisition d'une 20aine d'ouvriers en plus, hein? Parce que tu as 1 mois pour rentrer la récolte. Ce sera fait, monsieur. Dis donc, toi, dégage-toi! Hein? Je vais te les apprendre, moi, les rois! Mais pourquoi tu m'as pas dit que c'était ton frère? C'est mon demi-frère. Et puis il a honte de moi. Ah, et il a pas honte, lui, non? Il trouve que je trahis mon peuple, que je suis trop près des Blancs. Oh, il voudrait quoi? Tu cultives le manioc et que tu pompes des petits mioches? Ariane, j'ai peur. Il a lu plein de livres sur la Révolution française. Il n'arrête pas de citer des phrases de ses livres. Je suis sûre qu'ils vont lui faire du mal. Non, non, non. Roger dit que c'est un bolchevique, une sorte de communiste. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais ne t'inquiète pas, Poufilé, on va le sortir de là. On ne peut pas passer, mademoiselle. Il y a eu un attentat. Quoi? Je viens voir le capitaine de Berthier. Attendez, je vais voir. Merci. Mon capitaine, mademoiselle Ariane veut vous parler. Merci. Ariane, mais qu'est-ce que tu fais là? On a bouclé tout le quartier. On recherche un homme dangereux, un guerrier barin. Marc, il faut que je te demande quelque chose. Il y a un homme qui est en prison qui ne devrait pas y être. Ici? Oui, ici. C'est important. Bon, on va aller voir ça. Marc, il n'a rien fait. Il a été un peu insolent, c'est tout. Attends-moi à la salle de garde. Soldat, accompagnez mademoiselle. Marc. Sergent? Oui, mon capitaine. Pourquoi cet homme est-il dans cet état? C'est à cause du guerrier Barra qui a piqué la crise de folie ce matin, mon capitaine. Pourtant, c'est un ouvrier de Villavanille, non? Oui, mon capitaine. Le contremaître l'a amené ce matin du tribunal administratif. A-t-il un rapport quelconque avec le forcené? Pas à ma connaissance, mon capitaine. Mais il a tenu des propos révoltants. Il a dit « L'âme guerrière du peuple se réveille ». Alors, sergent, qui a pris l'initiative de ces représailles? C'est moi, mon capitaine. Il m'avait échauffé les oreilles. Il y a un gosse parmi les morts. Je le sais, sergent! C'est moi qui ai rendu visite à la famille ce matin. Dorénavant, j'aimerais un contrôle plus ferme de vos émotions, c'est clair? Oui, mon capitaine. Alors ranimez-le. Lavez-le. Rendez-le présentable que je puisse le rendre à mademoiselle Ariane. Oui, mon capitaine. Il n'a pas d'hémorragie interne, heureusement. Pourtant, il a reçu une sacrée correction. Mais là, je ne vous apprends rien, mon capitaine. Vous aimez casser du malgache, vous aussi? Non, parce qu'ici, ça devient une vraie manie depuis 7 ans. À moins que chez les militaires, ce soit une coutume purement ancestrale. N'accuse pas Marc. Il n'y est pour rien. Alors, on dira que le jeune homme s'est cogné la tête contre une porte, n'est-ce pas, mon capitaine? Ne vous mêlez pas des affaires militaires, docteur Bécalier. Vous êtes là pour soigner, alors faites-le. La torture est inadmissible, quelles que soient les circonstances. J'admire votre prise de position. Nous reprendrons cet échange de vues dans un salon, un jour prochain. Docteur. Merci, Marc.
Moi, les militaires, j'ai pas peur. Mais arrête avec les militaires, c'est grâce à lui que tu peux soigner Tully. J'ai posé le dire devant lui, mais je ne peux rien faire pour ce pauvre Tully. Il faut absolument qu'il sorte du dispensaire très vite ici, c'est un piège à microbes. Ils ont tous la dysenterie, la malaria, et j'ai aussi 2 cas de choléra, risque d'épidémie. Pourquoi tu les soignes pas? Pourquoi? J'ai quelque chose de très instructif à te montrer, suis-moi. Mademoiselle Ariane Ariance va voir avec quoi je dois travailler. Tu es prête? Oui. Voilà, Ariane. Pas de quinine, pas de sulfamide. Pas de glucose, bien sûr, absolument rien. Et sans quinine, je ne peux rien faire contre la malaria. Tu n'as qu'à en commander? À qui? À qui? Je sais pas, moi, à Tana, à l'hôpital de Tana. La quinine est beaucoup trop chère. Elle est réservée aux blancs, les autres médicaments aussi. Je vais t'en trouver, moi, de la quinine. Tu crois qu'on va t'en donner pour tes beaux yeux? On verra. Surtout, vous restez tranquille pendant quelques temps et après tout ira bien. M'accompagne Tully à son village et je te rapporte de la quinine. Ah, j'y compte bien, oui. Au revoir et merci, Jean. Au revoir. Tully, je ne crois pas que ce soit une bonne idée que tu continues à travailler avec la Vanille. Je vais rester quelques jours avec toi pour aider maman. Tully, Ariane t'a sortie de prison. Elle t'a amenée au dispensaire. Elle nous a beaucoup aidés. Tu pourrais être reconnaissant. Merci, mademoiselle Ariane. Merci beaucoup. Ne me remercie pas. Je le fais pour Anka. Anka est comme ma sœur. Non, non. C'est ma sœur, pas la vôtre. Alors, je vous dépose au village et après je vais donner une petite leçon à ce médecin. Allez-y doucement, attention. Comment tu as fait? Tu les as achetés? Même pas. J'ai dit que c'était pour mes bonnes œuvres. Oh, merci. Alors, puisque tu as des velléités charitables, pourquoi tu ne viendrais pas ici travailler avec moi une journée par semaine? Tu crois que je ferais une bonne infirmière? Tu serais détestable, mais j'ai rien d'autre sous la main. Et si j'ai pas envie d'être sous ta main? Ariane. Ariane. Ariane Ariance de Villa Vanille, infirmière. Ça va pas du tout. Dommage. Merci encore. De rien! Ariane, tu te rends compte qu'il est 2h du matin? Ton père n'est pas content. Je n'ai jamais conduit autant dans une journée. Ton père a reçu un coup de téléphone de l'hôpital. Depuis, il est furieux. Oh. Il est furieux contre toi, tu sais. Il pouvait pas attendre ce vieux schnock de médecin. Ariane? Oui? Oui, me voilà, papa. Depuis quand rentres-tu à 2h du matin? J'ai été accompagnée Anka et Tully à leur village. Et depuis quand fais-tu sortir de prison des ouvriers comme moi? J'ai mis en prison. Tully est le frère d'Anka et ils l'ont maltraité. Ariane? Papa, je peux prendre un petit verre? Parlons un peu d'Anka. Tu traînes avec cette indigène, hein? Jour et nuit, et tu la présentes à une soirée. Est-ce que tu perds le sens commun? Il y a longtemps que j'aurais dû vous séparer. Anka est à moi. Personne n'y touche. C'est la seule personne que j'ai de proche. Et puis t'inquiète pas, j'oublie pas les règles. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de quinine que tu as extorquée à Jacquier? Bon, il était tout retourné. Il s'en remettra. C'était juste un cadeau. Je voulais montrer à ce petit médecin arrogant que les Ariens sont les maîtres sur l'île. Tu parles de Jean Bécalier, hein, le fils de l'institutrice, Pronia. Les chiens ne font pas des chats. Va te coucher. Bécalier. Salut, papa. Pas encore trop imbibé, hein? Mais tu vas où? Il est temps que je quitte ma mère, non? Moi, tu m'embrasses pas? Non. Non, j'ai pas envie. Désolé. Marek, je vais vendre un Rajava. Tu sais, ça représente beaucoup d'argent, c'est pour toi. Tu as l'argent? Non, tu l'as pas. Demain, je m'en moque. Je vais partir faire ma vie, tout seul, sans vous. J'irai bien mieux quand je vous verrai plus. Marek. Ne pleure pas, maman.
Marek ! Marek ! Oh, où est-ce que tu vas ? Il faut absolument pas que tu sortes avec ta blessure. Elle est même pas encore cicatrisée. Ça va très très bien. Ça ne pourrait pas aller mieux. Je vais habiter ailleurs. Je veux plus te voir. Cette île est grande, alors j'espère ne plus jamais te revoir, frangin. Salut, toi. Mais qu'est-ce qui te prend ? Marek ! Marek ! Qu'est-ce que tu as encore ? Hein ? Je sais que les parents t'ont lésé, tout ça, pour payer mes études. Je comprends que tu sois en colère. Tu as besoin d'argent, c'est ça ? Alors je vais en mettre un peu de côté sur mon salaire. On aura l'impression d'être à égalité, enfin. Le ciel veut m'acheter avec son sale fric. Mais c'est pas de l'air ! Je veux plus respirer de même air que vous. Alors si tu me rencontres sur un trottoir, tu fais comme si tu me reconnaissais pas, d'accord ? Salut, frangin. Salut ! Je vais passer, moi. Stop ! Tout le monde à terre ! Tout le monde à terre ! Attention, il y a un arbre au travers de la route ! Restez à couvert ! Qu'est-ce que tu fais là ? Sergent, vous avez levé les barrages ? Non, mon capitaine. Laisse, Marc, j'ai contourné le barrage, je connais toutes les pistes. Tu sais que tu as risqué ta vie ? Tu sais qu'une famille a été massacrée hier dans les mêmes conditions ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je vais chercher Anka, mon gars. Tu retournes en arrière ? Je vais chercher Anka, Marc. S'il te plaît, donne-moi une escorte si tu es inquiet. L'arbre ? Oui, capitaine. Allez, sergent, l'arbre. Prenez le commandement. Toi, toi, dégagez-moi ça ! Oui, sergent. Oui, sergent. Je suppose que c'est d'avoir été élevé sans l'autorité d'une mère qui te donne ce caractère parfaitement indiscipliné. Ne me parle pas comme ça. Je ne suis pas responsable si ma mère est morte en me mettant au monde. N'essaie pas de me consoler maintenant. Tu n'étais pas comme ça à Paris. Tu m'as fait peur. Et je voulais pas te blesser pour ta mère. Ma femme aussi est morte en étant au monde notre bébé. J'aime pas en parler. Et ton bébé ? Il est mort-né. C'était une fille. Tu es née quelques mois après. Tu l'as remplacée. La vanille. Tu rentres avec moi? Non, je peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire ici? Tisser des filets de pêche? Nettoyer le poisson? Écoute, juste quelques semaines, maman a besoin de moi et puis tu l'as dit que je ne connais plus mon peuple. Oh, tu l'es son peuple? Où est-il? Écoute, Ariane! Où est-il? Tu l'es? Tu l'es? Il y a un problème, Anka ? Non, ça va, Marc.
Mon frère ne veut pas que je retourne à Villa Vanille. Mon frère n'est pas courtois. Il n'a pas de bonnes manières. C'est ici que tu es née? Non, à Villa Vanille. Manolongo, c'est le village de ma mère. Elle y est revenue après ma naissance. Mon père était blanc. Je suis métisse. Tu ne l'es pas. Tu le connais, ton père? Non. Maman m'a dit un jour que c'était le contremaître. Pas Roger, celui qui est retourné en France il y a 20 ans. Ça m'est égal. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Rester ici ou vivre à Ville-la-Vanille? Moi, ce que je voudrais qu'il n'y ait plus ni blanc ni noir. Rien que des métisses. Partout. Oh, c'est encore mon frère. Vous feriez mieux de rentrer chez vous, avec toutes ces lois qui ne sont faites que pour vous et tous ces ordres qui vous remplissent la bouche. Je suis chez moi aussi. Je suis née ici, c'est ma terre. Non, vous n'avez pas d'ancêtres sur cette terre. Ils ne sont pas enterrés là. Être né ici ne suffit pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a donné une couleur à chaque peuple, comme il a donné une couleur différente à chaque fleur. Vous, vous n'avez pas la bonne couleur pour la terre rouge de mon pays. Quoi qu'il en soit, je suis là et je rentre avec Anka. Ariane. Dis-moi, tu connais le guerrier Barra qui a tué les Blancs? Il n'est pas de ta tribu, n'est-ce pas? Il est d'origine africaine, bantou. Nous sommes tous malgaches. Les 18 tribus sont comme le bord d'une marmite. On ne forme qu'un seul cercle. Pourquoi a-t-il tué les Blancs? Je te trouve bien respectueux pour un Blanc. Le guerrier Barra avait la tête rasée. Ça veut dire que quelqu'un de sa famille est mort. Peut-être qu'il a eu peur du fantôme du mort et qu'il s'est enfui du village. Il est possible qu'il ait briser un fadi. Fadi? Un tabou. Beaucoup de tabous attirent la colère des ancêtres. Peut-être aussi qu'il est poursuivi par Ntsini, un reproche invisible qu'il entend dans sa tête comme le vent qui souffle. Ça veut dire qu'il est fou? Peut-être qu'il a rêvé qu'il devait tuer beaucoup de Blancs pour être à nouveau en harmonie avec le monde. Merci. Roger? Te laisse pas faire, Roger. Ah, non! Allez! Vous allez le payer, ça! Marc! Marc! Allez, ça va, Marek! Qui est-ce? Il y avait notre contremaître, Marek Bécalier, les autres, je connais pas. Ce sont des bons à rien. Les Blancs, ils viennent de temps en temps pour se distraire. Ils ont une façon de s'amuser assez spéciale. Mais ton frère, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ses amis? Et regardez, qu'est-ce qui se passe? Là-haut! Marc, attention! Non! Non! C'est un fou! Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui. C'est le guerrier Barra.
Il est protégé. Tu sais, rien ne pourra l'atteindre. Il va nous tuer, Arjan. Tais-toi. Mais pourquoi? Je voulais pas. C'est fini. Exécution et dépêchez-vous. Ah, Marc. Un héros. Oui, un héros. Je n'ai fait que mon métier, mon colonel. Oh, ne soyez pas modeste, surtout pas. Je vais vous recommander pour la médaille militaire. Colonel. Mais si, si. Asseyez-vous. Quant à votre dossier sur ces quatre hommes, je comprends. Mais je vous demande d'oublier. Ils n'ont fait que tirer quelques coups de feu en l'air. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ils ont semé la terreur dans le village, mon colonel. Et si je n'avais pas été là, je ne sais pas jusqu'où ils auraient été. Marc, vous êtes un bon soldat, un excellent officier. Mais nous ne pouvons en aucun cas affaiblir la position des Blancs par rapport aux indigènes. Ces Blancs fussent-ils de vulgaires canailles? Permettez-moi, mon colonel, de marquer mon désaccord de principe. C'est au contraire, en ne remplissant pas le rôle de justice qui nous est dévolu, que nous nous affaiblissons vis-à-vis de la population malgache. Tout homme est sensible à l'injustice, mon colonel. Je choisis d'oublier ces propos. Rompez, capitaine. Mort demain? Tu te déjeunes entre amoureux? S'il m'embrasse pas demain, je le ferai. Il te plaît, toi? Un peu? Beaucoup? Passionnément. Mais tu te moques de moi? Non. Écoute, il me plaît pas vraiment. Je te le laisse. Marc! Il me regardera jamais. Et puis d'abord, il t'aime. Tu crois? Mais bien sûr, il est fou de toi. Peut-être pas. Mais si! Non, tu vois, il me rend pas molle de l'intérieur, avec les jambes qui tremblent et la gorge qui se serre. Dis ça, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Non, c'est comme ça que c'est écrit dans les bons romans. Non, pour moi l'amour c'est quand tu peux voir dans le cœur d'une personne, tu vois comme elle est gentille et puis comme elle peut souffrir aussi. Alors je t'aime. Moi je t'aime. Tu sais ce que je ferais moi à ta place? Si Marc ne se décide pas à faire le premier pas, eh ben je prendrai les devants. Oui, tu crois? On va faire un tour? Viens. Viens. Allez, viens. Je veux que tu m'embrasses. Ariane, tu as 25 ans, j'en ai le double. Et alors, je m'en moque. Est-ce que tu m'aimes? Et toi, tu ne m'aimes pas? T'es pas fou d'amour, t'as pas envie de me serrer dans tes bras, de me couvrir de baisers? Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai si tu deviens ma femme. Ah non. C'est trop sérieux. Tu veux juste t'amuser, c'est tout. Mais non, mais... Faut toujours dire ce qu'on ressent au lieu de faire les... De faire l'amour, c'est ça? Réfléchis. Je veux que tu deviennes ma femme. Franca, je sais plus où j'en suis. Écoute, Ariane, il n'y a rien de dramatique. Elle est bien, non? Oui, ça va. Elle est sèche, bien odorante. Le noir est luisant. Regarde, le givre est parfait.
Je sens qu'on va faire une bonne récolte. Allez, fais pas la tête. Tu sais, c'était très honorable de sa part. Oh oui, oui. Marc est un homme très honorable. Comment tu dis ça? Tu sais, il y a un tas d'hommes qui se moquent des femmes. À commencer par des hommes comme mon père. Il est parti sans même me voir. C'était un blanc. Oui. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Tu devrais épouser un malgache. Ce sont de très bons maris. Et de très bons amants. C'est ma mère qui le dit, alors. Hé, hey, docteur Bécalier, qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est moi qui lui ai donné rendez-vous. Ah bon? Je vais voir des malades, tu m'accompagnes? Tu viens, Anka, on va aider le docteur dans sa tournée. Je sais pas. Je vous laisse aller tous les deux, je reste. Tu es sûre? Oui, oui. Fais-moi dépêcher ces femmes. On a déjà assez perdu de temps. Ne vous dispute pas, dépêche-toi. Allez, t'es pas capable. Dépêche-toi. Alors ça, c'est formidable. 10 000 hectares de la meilleure terre à vanille, c'est pas une garantie? La meilleure vanille de toute l'île? Grégoire, arrête. Tu me dis toujours la même chose. Thomas, tu vas me donner ce prêt. Écoute, j'ai toujours remboursé les intérêts, hein? Même quand j'ai perdu la moitié de mes actions avec Suez. Tu as trop d'hypothèques, trop de dettes, même pour un colon. Mais rentre ta récolte, Grégoire, et tu auras l'argent. Seulement si tu la rentres en entier. Mais je la rentrerai en entier. 3 années de pluie diluvienne, c'est un maximum. Ça va par 3 et ça s'arrête. Non, écoute, je ne dirige pas une banque selon les prévisions météorologiques, moi. Je ne sais pas, achète Radja, fais des digues pour retenir la boue. Et tu auras le prêt avant la récolte. Sinon, après la récolte. C'est mon dernier mot. Tu sais bien qu'elle ne veut pas lâcher Radjab. Tu le sais, ça? Je ne sais rien. Rien que les chiffres. À bientôt. Bonjour. Où est Pronien? Grégoire. Ça fait plaisir de voir que tu ne me tiens pas à rigueur de ce qui s'est passé. C'est toi qui seras en droit d'être en colère. Je me suis conduit comme un rustre. Oui. Parfois, je ne suis pas vraiment un gentleman. Non. Non. Je peux dire que tu es baise sans que tu te mettes en rogne? Mais c'est très gentil à toi, Grégoire. Bon. Alors? Je suis venu pour la même raison que les autres fois. Ah, tu as vu, hein? Le temps est en train de changer, on dirait. Oui. Mmh. J'ai réfléchi. Ah, vraiment? Bon. J'accepte. Tu acceptes? De vendre? Oui. Pour un prix... raisonnable. Tu veux qu'on se retrouve chez le notaire demain? Ah oui, je veux bien. Je peux faire monter une équipe à Radjava. Oui. Pour commencer les digues. J'ai eu des torts envers toi. Je ne l'ai jamais dit. J'ai regretté. Bon, on se retrouve chez le notaire, hein, Grégoire? Demain? À demain.
Eh oh, attends, ça doit être une bonne chose. On remet ça. Marek. Est-ce que tu veux? Marek, je vais te parler. Je te remplace. J'arrive, j'arrive. Allez, viens. Dépêche-toi parce que je suis en train de galérer. Vous permettez? Oui, oui, je vous en prie. Merci. C'est pas évident, vraiment. Alors, tu veux pas t'asseoir? Tu sais. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai vendu Rajava. Hein? Tu vas venir chez le notaire avec moi, tu vas prendre l'argent dans sa totalité, tu vas pouvoir t'acheter une plantation, tu vas pouvoir planter de la vanille, tu vas pouvoir planter du café. Qu'est-ce qui te fait croire que je veux une plantation? Parce que t'es comme ton père. Mon père? Mon père, il a jamais voulu qu'un verre plein d'alcool pour aller jusqu'au soir. Mais si, si, c'est ce que je suis un soifard, moi. Francis est un type très bien. Oui. Lui, il m'a épousée quand j'étais enceinte. Ah oui, alors? De Grégoire Arians. C'était toi. Qui? Grégoire. T'as souffert? Ben, j'ai souffert aussi. J'ai vu une différence avec ton frère, parce qu'il y en avait une. Oui. Non, c'est pas vrai, je t'aimais plus fort. Vachement. Oui, je t'aimais plus fort. Avec plus de colère aussi, c'est vrai. Mais plus fort. Je suis un bâtard? Non, arrête. Ah, Grégoire Arians, c'est pas mal. Non, c'est un type bien, Grégoire Arians. C'est pas un alcoolo sans un sou, c'est un colon, c'est le plus riche colon de l'île, pratiquement, hein? Et on l'appelle le roi dans certains quartiers de Tamata. Attends. Marais. Le fils du roi, le bâtard du roi, il n'a pas de fils, Arians. Je suis le fils unique, alors je suis le dauphin. Marek. Eh oui, maman. Tu peux pas pardonner, non? Tu peux pas, ça? Regarde-moi. Marek, je t'en prie. Marek, je t'en prie. Je t'en prie. Il y a un femme à Diana, vous voulez venir? Oui, on vous invite, vous et le docteur. Je ne sais pas s'il a fini. Bon, monsieur. Le voilà. Voilà, dernière visite. Viens, je t'emmène à une fête. Allez, donne-moi. Ah bon? Venez, docteur, ça. Vous en aide. Tu verras. Je suis sûre que ça va vous plaire. C'est un cimetière? Ah. Un enterrement? En quelque sorte, tu vas voir. C'est une femme adine. Je n'ai jamais eu peur de la mort. Ma mère est morte en me mettant au monde. Alors peut-être que j'avais dans l'idée que la mort m'avait déjà tout pris, dès le début. Pour les malgaches, la mort n'existe pas. Pour moi non plus. C'est la promenade du mort, son second enterrement. Les familles sont capables de dépenser des fortunes pour ça. Tu vois, on remplace en un seul. C'est la plus belle fête de l'année. Et maintenant, il va participer à la danse. C'est l'un des plus beaux jours. Les mariages, en général, sont beaucoup moins gais. Jean était gêné. Mais il acceptait de rester, sans s'écrier « Quelle coutume barbare !» comme aurait fait n'importe quel autre idiot de blanc dans ces circonstances. C'est à ce moment-là que j'ai été émue pour la première fois par un homme. Il n'avait pas gâché la magie de cette journée par sa supériorité intellectuelle. Il n'avait pas caché ses émotions. Cette simplicité avait trouvé sans même le savoir le chemin de mon cœur. C'est la photo du mort. Il est beau, hein? Je ne savais pas que tu connaissais leurs coutumes. C'est Anka qui m'a fait connaître ses coutumes. Elle m'a souvent emmenée dans ses fêtes. Mais toi, ça m'étonne que tu ne saches rien sur le pays. Je ne parle même pas un mot de leur langue. Mais tu les soignes. Oui. Moi, je supporterais pas les maladies, les blessures, les plaies. Tu ne ferais pas une bonne épouse de médecin. Qui te parle d'épouser un médecin? Il
danser toute la nuit. Tu comprends pourquoi je quitterai jamais ce pays. On s'assied ? Je sens bien. Oh, j'ai rêvé de toi pendant des années. Oui, Ariane, Ariance. Toi, avec tes nattes à l'école. Toi, quand tu chevauchais sur les terres de ton père. Toi, avec ton rire moqueur. Si, 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 si. La fille de Villavanille. Dis-moi que je ne rêve pas. Dis-moi que tu veux de moi. Oh, j'ai mon cœur qui bat tellement vite. Je suis bien. Je suis bien. Ça ne te gêne pas de t'afficher avec moi dans les rues de Fenerive ? Ça ne me gêne pas du tout. Sinon, il est trop tard. Viens, viens, je connais une petite dame qui fait un thé là-bas, super. Ah oui ? Oh, regarde ! Regarde comme oh, il est beau. Petit cœur, tu le veux ? Non, pose-le. C'est pas beau, la vie ? Pose-le. Si je comprends bien, tu es heureuse ? Je t'aime. Je t'aime. Tu veux que je le dise à toute la rue ? Au monde entier ? Ariane. Je l'aime ! Je Ariane. L'aime ! Ariane. Non. Tu nous sers de thé ? Bonsoir. Mademoiselle Ariane. Tu l'es. Qu'est-ce que tu fais à Fenerive ? Il fallait que je vienne pour acheter des épices pour ma mère, mademoiselle Ariane. Lui, c'est mon ami, Manjaka. Bonjour, mademoiselle. Je dirai à Anka que je t'ai vu et que tu vas bien. Merci. Tu l'es. Viens, il nous attend. Je viens, oui, j'arrive. Maintenant. C'est bon, on y va. Pas mauvais, hein ? Hop là! Ça va les gars? Alors, on se balade. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Bon, allez, allez, on se bouge, on va aller voir chez Paul, là, s'il n'y a pas Roger. Hein. Non, on va faire un tour. Bon, les petits, plus on rigole. Attendez. Salut, petit frère. Embrasse-moi, c'est un grand jour. Avec qui t'étais? Bonjour, petite sœur, ça va? Bonjour. On n'est pas encore mariés. Ah bon? Jean. Jean, je te pardonne. Je t'amnistie. Si, 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 je révoque ton exil. Oh! Tu es à nouveau de ma famille, hein? Attention. Allez, va. Sois content. Nous t'aimons à nouveau et à jamais. C'est fini, on peut y aller. Au revoir, petite sœur. Au revoir, Marek. Hey. Marek. Marek Ariance. Marek, allez. Viens, on y va. Hey, Marek. Bon sang, quelle journée. Le vieux était mauvais comme une teigne aujourd'hui. Ça m'a donné soif. Allez, on va boire une bière. J'en ai marre d'être ici dans ce quartier. Ici, oh, ça pue. On va boire une là, bière. Mes têtes allez. Hydratées. Eh bien, viens, on va chez les riches. C'est moi qui offre. Eh, t'as changé, eh, ça te fera du bien. C'est ta mère qui t'a changé. Eh oui, ou quoi justement, elle a tout changé. Il faut qu'on soigne d'autres villages. Eh hey. D'accord, tu l'es. Mais je te connais, toi. Allez, laisse tomber ces gars-là. Tu étais en prison. J'ai été libéré. Laisse tomber, c'est pas la peine. Libéré, ce cochon de communiste. Il doit être en prison. Communiste, lui, tu parles. Ouais, c'est un communiste. Et même un sale rouge. C'est pas un rouge, c'est un noir. Un noir, un sale nègre. Mais c'est pas un rouge, c'est un noir, Roger, arrête! Tu vas voir! Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez, mon Dieu! Toi, tiens! Tu vas voir! Attrape-le! Viens ici! Je dois m'enfuir. Mademoiselle Ariance, dites à Anka que je serai dans la cour où on jouait le jour des mariages. Je l'ai pas tué. Tu as pas tué qui ? Je l'ai pas tué ! Mais qui ? Mais faites quelque chose ! Bougez, un médecin ! Non ! Non ! Poussez-vous, là, poussez-vous ! Jean, aide-le ! C'est ton frère, Jean ! Marek ! Marek ! Non ! Thank you.
capitaine de Berthier. Ah, le capitaine de Berthier. Il est là, mademoiselle. Pardon, excusez-moi. De Berthier. Il est où? Excusez-moi. Il faut que calme, je te parle. Calme-toi. Tu l'es à tuer, Marek. Il faut vraiment les pousser à bout pour qu'ils tuent. Ils sont éduqués pour ne jamais froisser personne. Jamais, mais jamais. Oui, comme le guerrier Barra. Oh non, ça n'a rien à voir. Tu l'es, il est doux. Je l'ai vu avant, il n'y avait aucune colère dans ses yeux. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans une bagarre. Oh, je t'en prie, sauve-le. Et je t'en serai éternellement reconnaissant. Il faut qu'il se rende. Pas à la gendarmerie, à l'armée. À moi, personnellement. Et je n'ai pas besoin de ta reconnaissance à rien. Je veux beaucoup plus. Je sais plus où j'en suis, Marc. Attends. Tu as le temps que tu désires. Non. Je t'accuse de meurtre. Ils te cherchent partout, partout. Mais tu les, ils vont te fusiller. Je l'ai pas tué, Anka. Je te le jure, crois-moi, je l'ai pas tué. Le sang m'a éclaboussé. J'ai vu la mort dans ses yeux, Anka. Mais je l'ai pas tué, je te le jure, je te le jure. Je te crois, petit frère. Je te le jure. On va t'aider. C'est là. Anka? Ah, tu es venu. Merci. Il est là. Il a peur. Il n'a rien fait. Il n'a pas tué le blanc. Je te crois. Il ne veut pas mourir. Ariane. Attends. Attends. Je m'engage à ce que tu aies un procès équitable, juste. Il n'y a pas de justice pour les malgaches. Juste le châtiment des blancs. Marc va intercéder. Il aura la vie sauve. J'ai déjà fait un rapport sur les hommes en question. Je témoignerai pour lui, devant ses juges. Je te le promets, Anka. Promesse de blanc? Anka, s'il te plaît, fais-lui confiance. Tu as les yeux bleus comme la mer quand le ciel est bleu. Alors jure-le. Je te le jure, Anka. Allez. Du blanc sur la terre rouge. Je vois le blanc. Il est venu plusieurs fois. Au début, les tribus, la forêt et la fièvre l'ont rejeté à la mer. Mais le blanc a la tête dure. Il a continué à s'implanter sur ma terre rouge. Et maintenant, il dévore tout ce qu'il peut. Je vois la fin du blanc sur ma terre rouge. Le flot de sang coule. Mais ma terre sera libre. Et longue. Oui, monsieur, voilà. Oh.
a commencé à tout envahir. Regarde-moi ça. Toutes les terres du bas sont inondées. Il faut faire des digues, des barrages en amont. Oui, monsieur. C'est là-bas que les terres sont les plus exposées. On a déjà commencé. Je vais vous montrer. Très bien, allons-y. C'est la faute de ce maudit Rajava. Elle est pas là, Ariane. Mais où est-elle? Elle ne veut plus me voir. Non, non, il s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de quoi? Elle a eu beaucoup de travail. Elle a dû rentrer à la récolte. Maintenant, elle est aux entrepôts pour voir combien de vanilles on peut encore sauver. Tu ne me mentirais pas? Je ne mentirais pas à l'homme qui a sauvé mon frère. Bon. Je vais prévenir Monsieur Arians. Monsieur? Monsieur? Marc de Berthier est là, il voudrait vous voir. Ah. Anka. Est-ce que tu as été heureuse à Villa Vanille? Oui, monsieur. Je voulais te dire que j'ai toujours été très sensible à ce que tu as fait pour ma fille. C'est normal, c'est ma meilleure amie. Tu sais combien j'étais proche de ton père? Et puis de ta maman aussi. Et puis j'étais fait faire des études, tu t'en souviens? Et ton demi-frère, tu l'es, c'est ça? Un personnage turbulent, caractérisé. Il n'a eu que 6 ans de prison, car je suis intervenu pour lui. Je vous remercie de tout, monsieur. Anka, tu regretteras Villa Vanille. Dans 10 ans, tu diras combien tu as été heureuse et protégée ici. Ma fille t'aime trop, mais moi je t'aime bien, tu sais. Vous me renvoyez, monsieur Arians? Non, non, non. Non, 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 pas du tout, Anka. C'est Villa Vanille qui s'en va. Villa Vanille? Monsieur Marc vous attend. Fais-le entrer, fais-le entrer. Marc? Quel temps, hein? Marc, mon ami, viens boire un verre avec moi. Ah. Tu ne veux pas démissionner de l'armée? Et t'installer comme colon, je te cède Villa Vanille. Au prix qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose à l'heure qu'il est. Il te faut combien, Grégoire? Fais-moi l'amitié de ne pas me prêter d'argent. Je pourrais pas te le rendre. Grégoire, si j'ai accepté de venir dans cette île, c'est parce que toi et Ariane, vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde. Toi, mon ami de 20 ans, et elle, ma filleule. J'ai de l'argent, Grégoire, beaucoup d'argent. Un héritage de famille. Je n'y ai pas touché. Je suis venu pour te l'offrir. Une seule fois, Grégoire, une seule fois. Car si tu me refuses, je me considérerai comme offensé. Et je ne mettrai plus jamais les pieds chez toi, que ce soit à Villa Vanille ou dans une masure. Claire? Tu m'as déjà sauvé la vie, tu me la sauves 2 fois. Ça va, Grégoire? Hein? Ça va. Oui, tu as raison. Sans ça, je vais te faire une déclaration d'amour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pourquoi étais-tu venu me voir? Pour voir Ariane. Je ne la vois pas beaucoup ces derniers temps. Tu lui donnes beaucoup de travail à ta fille. Tu l'aimes beaucoup, ma fille. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Comment est-ce que j'ai pu être aussi aveugle? Tu vois, c'est ça les soucis. Ça vous bouge l'horizon. Tu l'aimes, hein? Tu aimes ma fille. Allons, ne le nie pas. Je lui ai demandé de m'épouser. J'attends sa réponse. Mais Grégoire, s'il te plaît, ne force rien. Elle est jeune, vibrante. Laisse-la prendre sa décision en toute liberté. À bientôt.
revoir, Elon. Au revoir, monsieur. Un mois. Oh. Ça fait un mois que Marek est mort, j'arrive pas à y croire. Je comprends pas que tu veuilles qu'on vienne ici tous les jours, être tous les deux comme ça, près de sa tombe. Je me sens coupable. Arrête de te culpabiliser. Tu n'es pas responsable de la mort de ton frère. Et en venant ici, tu te rapproches de lui. Les morts sont vivants à Madagascar. Et les vivants sont tous morts, c'est ça? Ariane, tu as parlé à ton père? C'est pas le moment. Il est fou furieux contre ta mère. En enterrant Marek à Rajava. Oh, mais ma mère ne parle plus à personne. Mon père ne dessoule pas de la journée. Mes patients meurent les uns derrière les autres, sans que j'en connaisse la cause. Et moi, je suis quoi devant toi? Un paria, c'est ça? Non! Arrête! Ça, c'est à moi. Ça aussi, c'est à moi. Tout est à moi. Ariane. Je veux vraiment que tu vives avec moi. Je veux vraiment. Je sais pas, moi, je suis prêt à acheter un grand lit avec un couvre-lit rouge. Non, tu viendras vivre à Villa Vanille. Tu verras, je t'apprendrai tout ce qu'il faut savoir pour être un grand propriétaire terrien. Je suis médecin, Ariane. Je ne me vois pas devenir propriétaire terrien, encore moins avec des esclaves. Ce sont pas des esclaves. Excuse-moi. Bon. Et puis je t'empêcherai pas de faire ton métier. Ah oui. Tu resteras médecin et je t'obtiendrai un poste à l'hôpital de Tana. Épouse-moi. Maintenant. Tu es majeur. Je le veux. L'avenir, on verra ça après. Les pluies continuent. Oui. Laisse-les, laisse-les. On va perdre toute la récolte. Et Marc, comment faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Dis-lui la vérité, il comprendra. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien... voilà, je vais épouser Ariane Arians. Tu veux m'écouter? Oui. Elle t'épousera pas, Joe. Les Arians n'épousent pas les pauvres. Elle-même. Elle me suivra. Tu la vois quitter Villa Vanille? Maman, je l'aime. Alors c'est moi qui la suivrai à Villa Vanille. Les Arians sont passionnés. Elle t'a vu, elle t'a voulu, tout. Mais elle t'épousera pas, Jean. Allez, viens te sécher, rentre. Tu es trempé, là. J'épouserai. Je l'épouserai, maman. J'arrive. Besoin de... d'être tranquille. Je voudrais pas que tu aies de la peine, Jean. Tu comprends ça? Oui. Allez, rentre, viens. Roger, tu t'es occupé des champs près de la rivière? Oui, monsieur. J'ai mis des séchoirs partout sur la plantation. On va gagner un temps précieux. Oh, c'est bien. Merci. Ah, votre fille. J'ai mis le maximum d'ouvriers, monsieur.
Mais je les surveille, vous ne tracassez pas. Vous pouvez compter sur moi. Papa ? Eh bien, votre fille bien. Vous appelle, monsieur. Papa ? Bonjour. J'ai une nouvelle à t'apprendre. Mais ça va peut-être te surprendre. Faut pas que tu te fâches. Ah, elle me surprendra peut-être moins que tu le penses. Je vais épouser Jean Bécalier. Comment ? Je sais ce que tu vas me dire, que c'est un petit médecin qui n'a pas les moyens, mais c'est quelqu'un de très très bien. On lui obtient un poste à Tamatav et il devient un grand médecin. Quelqu'un de présentable pour toi. Et tu es amoureuse de lui, hein ? Une vraie passion. Rien que de respirer sa peau, ça te fait bouillir le sang. Papa. Écoute-moi, je ne peux pas empêcher un mariage d'amour. Et tout compte fait, ça tombe très bien, parce que je suis obligé de vendre Villa Vanille. Vendre Villa Vanille ? Oui, j'ai des dettes, ma chérie. J'ai beaucoup de dettes. Et j'ai pas de récolte encore cette année, alors je vends. Mais tu as 10 000 hectares, il te suffit de vendre 100 hectares là, 100 hectares là, je sais pas. De faire un emprunt à la banque. C'est ça. 100 hectares par-ci, 100 hectares par-là. Petit enfant gâté, j'ai besoin d'argent frais. Comprends-tu ça ? Tout de suite. Et Marc de Berthier en a. Marc de Berthier en a beaucoup. Il m'en a offert. Malheureusement, je ne peux pas emprunter une somme aussi énorme à un ami aussi proche. Ces gens que j'aime. J'entends parler de personne d'autre. Eh bien, épouse-le. Va vivre avec lui. Va vivre avec lui. Hein, mais je ne veux pas de Bécalier ici. Et puis tu pourras peut-être l'aider avec ton diplôme d'infirmière. C'est ça, continue. Hein? Non, pas très attiré par les malades. Hein? Moi, ce sont les médecins que je n'aime pas beaucoup. Mmh. Moi, je les adore. Et je vais épouser Jean. À l'amour, rien d'impossible, c'est ça ? Ariane ! Oh, je l'aime. Je l'aime. Je connais son visage mieux que le mien. Tu sais, quand je le regarde, j'oublie tout. Il me lave de tout ce que j'ai dans la tête. Tu comprends ? Oui, j'ai très bien compris. Seulement, et Marc ? Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Il est merveilleux, il t'aime, il veut t'épouser. Il faut que tu lui parles franchement. Il ne faut pas que tu joues avec lui. Non, bien sûr, je veux pas faire souffrir Marc. J'en ai pas envie, au contraire. Bah, et pourtant, c'est bien ce que tu vas faire, non ? Non. Au fond, ce que je veux, c'est rester ici et sauver Villa Vanille. J'entends une voiture ? C'est long. Et je peux pas laisser mon père tout seul. Ariane, je te comprends pas. Tu peux faire ce que tu veux, tu es libre. Alors choisis. Non, je peux pas choisir. Tu sais que mon père a de gros ennuis sur la plantation. Et la seule façon de la sauver, c'est d'épouser Marc. J'ai beaucoup de tendresse pour lui. Mais il y a Jean. Il veut vivre avec moi. Ben ça, c'est bien, non ? Mais il refuse de s'occuper de la plantation. Mais pourquoi il veut pas ? Il m'a dit qu'il était médecin, qu'il le resterait. En plus, papa ne veut absolument pas le voir à Villa Vanille. Je ne sais pas pourquoi. Oh, je ne sais plus quoi faire. Tu es bien sûr de ne pas le savoir. Tu as raison. Je ne supporterai pas de vivre sans Jean. Ce sera lui. Sans Villa Vanille, sans rien. Qui c'était ? C'est Jean. Jean ? Vite ! Il a tout entendu. Tu crois ? Calme-toi. Il faut qu'il revienne. Apporte-moi un peu d'eau. Il faut qu'il revienne. Il faut lui dire. Oui, oui, oui. Calme-toi, tout ira bien. Anka. Verse 10 gouttes et fais-lui tout boire. Je suis là. Je suis là, je reviens. Anka. Anka. Il faut que tu lui dises. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. Allez, pour le moment, tu bois ça.
chez lui. Il faut que tu le retrouves, il faut que tu cherches. Calme-toi, Ariane, calme-toi, on va le retrouver. Il faut que tu lui dises. Ne t'en fais pas. Calme-toi. Faut que tu l'amènes ici. Mais oui. Il faut que tu l'amènes ici. Je ferai tout ce que tu voudras, mais pour le moment, tu te reposes. Enceinte, enceinte. Ben oui, un mois. Elle est enceinte depuis un mois. Mais enfin, l'enfant est bien accroché. La chute ne l'a pas délogée. Ben, elle va bien, juste un peu de fièvre. Elle a une santé de fer. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Ferme tout. Bien, monsieur. Comment va-t-elle? Elle va mieux, elle a bien dormi. Ça va, papa, ça va. Je suis enceinte. Il est parti, sans m'écouter. Je vais la ramener ici. Hein? Vous allez vivre à Villa Vanni, tous les deux. Et l'enfant naîtra ici. Mais tu vas perdre la plantation. Non, non, non. Marc va me prêter l'argent. Sans contrepartie. C'est un homme d'honneur comme il y en a peu. Tu vas le ramener. Jean, tu vas oui, le ramener. Oui. T'inquiète pas. Tu lui diras que je l'aime plus que tout. Je ne reviendrai pas sans lui. Monsieur! Monsieur! Qu'est-ce qu'il y a? C'est la guerre! À la TSF, ils ont dit que c'est la guerre. La France a déclaré la guerre à l'Allemagne. Alors ça, c'est une nouvelle vraiment sans intérêt. Sans intérêt? Jean? Jean? Bécalier? Vous venez chercher ma femme, Ariane? Non, non, vieil ivrogne. C'est ton fils que je viens prendre par la peau du cou. Ah, pour ça, tu arrives trop tard. Il est parti pour la guerre. Et alors? C'est la guerre. Il est à l'aéroport, il part. La guerre. Comme si le pays n'attendait qu'après lui. Lâche, je pouvais pas. Oh, prends soin de toi, Jean, je t'en prie. Au revoir, mon... Je t'en prie. T'inquiète pas. Grégoire. Je veux parler à ton fils. Mais qu'est-ce que tu lui veux à mon fils? Mais qu'est-ce que tu lui veux? Nous devons marier nos enfants, Pronia. Ils s'aiment. Ah, ils s'aiment. Tu parles d'une histoire? Oui, oui, ils s'aiment. Ariane est enceinte de lui. Et alors? Alors, c'est parce qu'elle est enceinte que c'est lui qui doit l'épouser, mais tu te fiches de moi, Grégoire. Et moi, quand j'étais enceinte, tu m'as pas épousée. Tu m'as abandonnée. Et mais qu'est-ce que rien, tu racontes? Tu es folle. Et j'avais seulement ce bébé dans le ventre. Et toi, tu m'as laissé tomber, Grégoire. Marek? Oui, Marek. Et Marek est mort. Et Marek. Tout va mourir ici. Et qui c'est ta fille, hein? Mais qui c'est ta fille pour Jean. Avoir un destin meilleur que moi? Jean. Non, arrête, hein, Grégoire. Fais pas l'imbécile. Grégoire. Arrête. Grégoire. Grégoire! Non! S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Oh non! Oh non! Allez, aidez! Non! Non! Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé, Ariane. Te laisse pas aller. Fais un effort, je t'en supplie. Ariane, essaye de manger quelque chose, ça peut pas continuer comme ça. Mais j'ai pas faim! Tu comprends pas? Mais tu comprends pas! Oh, j'en peux plus! Je veux mourir, je veux mourir! Réagis!
Mais pourquoi veux-tu que je réagisse? Mon père est mort et Jean est parti à la guerre. C'est de ma faute. Mais non, c'est pas de ta faute. Je suis là. Moi, je te quitterai pas. Je te quitterai pas, Ariane. Arrête! Mais où tu vas? Je vais aller me jeter dans la mer, Anka. Je veux plus voir personne. Je veux mourir. Mais tu peux pas! Tu peux pas, tu es folle! Et alors? Et alors? Ariane! Qu'est-ce qui se passe? Ariane, faut l'arrêter, faut l'empêcher. Elle attend un bébé. Elle va se tuer. Elle attend un bébé, Marc. Elle est partie vers la mer. Il faut la rattraper, Marc, vite! Vite! J'attends un enfant d'un autre. Je m'en fous, je l'élèverai, je l'aimerai si tu me permets. Épouse-moi. Tu veux bien? Épouse-moi. J'y arriverai jamais. Je sais plus où j'en